La salinité des terres et la rareté des pluies annoncent un changement climatique qui déteint sur notre mode culturel ou anéantissent les efforts de nos braves agriculteurs. Les variétés à cycle court sont demandées comme semences certifiées à l'image du Nerica 8 pour atteindre l'autosuffisance en riz. C'est à Mendina El Khaz Souané que les paysans ont donné de la voix. Mais le riz actuellement est arrivé en maturité. Donc, voilà pourquoi ce sont les semences normalement que les paysans doivent choisir pour leur parcelle. Avec les aléas climatiques, le réchauffement climatique et autres, que l'État même est en train de parler et que tout le monde est en train de parler, et qui sont là-bas, une grande parcelle qui est là-bas, qui est toxique, d'autres variétés, ils ont été semés à partir de 17 juillet. Jusqu'à présent, ils sont dans l'incertitude. Les autres spéculations de riz sont mises à l'essai, mais la rareté des pluies menace sur le vallée. Nous sommes victimes de la salinisation des terres et la remontée aussi de l'acidité. Donc tout ce que nous faisons dans les bas-fonds aujourd'hui ne peut plus marcher. Et nous n'avons pas les semences de riz de plateau. Ce qui veut dire que donc nous aimerons avoir la multiplication de la variété Nerica 8 pour vraiment sauver nos semences et cela vraiment va beaucoup nous aider dans ce que nous faisons. Cette même demande est formulée par des acteurs de la filière semences qui demandent à l'État de regarder dans ce sens. La porte d'entrée d'une agriculture qui se veut en tout cas productive. Et vous voyez que c'est une variété qui aujourd'hui n'a même pas encore bouclé 70 jours de semis à aujourd'hui alors qu'elle est en maturité. Il y a même un stress, en fait un manque de pluie qui a été constaté, mais la variété a pu résister. Ça veut dire que l'adaptation en fait à l'écologie du milieu est vérifiée ici de manière très nette. Alors ça veut dire quoi? De façon générale, la santé de nos cultures dépend des eaux de pluie, une situation difficile à maîtriser, surtout au courant de ces dernières années où le débat est agité sur les changements climatiques. De quoi à mettre en place des semences certifiées, des variétés à cycle court. Sidiou, Wal Fadjil, Radio TV, Lamine Bayo.